Peuple africain, peuple européen, peuple asiatique, continent africain, peuple camerounais. Mettons-nous tous ensemble et pleurons ma Vivian, notre fin footballeur. Hommage à ma Vivian Fouet, adieu Marco, notre fin footballeur. Les Lions ont quitté le Cameroun, allant à Paris, jouer la Coupe des Confédérations. Ils sont arrivés à Paris, ils ont joué, ils ont gagné. Au moment de rentrer, certains je rentre à pied, ma Vivian rentre couché. Dans le cercueil Zengo, quel miracle! Lors du match Cameroun-Brésil, Marco entre au terrain. Les coups sur la tête, les coups sur le pied, il a fait les efforts jusqu'à prendre le ballon, en voyant la passe à Mbami. Mbami remet en défi, qui donne en direction. Oui, Grissou, qui balance à l'aile pour du tape Jérémy, qui remet à Etoufis. Etoufis qui prend le ballon, tape le pied par terre, le gardien a voyagé. Le filet a chanté, chanté Alléluia. Au revoir, Marco, adieu, ma Vivian, adieu, Marco. Au revoir, Marco, adieu, ma Vivian, adieu, Marco. Le 26 juin 2003, au Cameroun, le pays était en deuil. Cameroun, Colombie, Cameroun, Colombie, Cameroun, Colombie. Les Lions ont joué à Tien à la une, à la 9e minute, un centre de Ndjemba. Il crie sous mon en suspension, le gardien est en sur, qui devait jouer. Pas de petits Camerounais. Intelligent qu'il était, il a dévié de la tête. Mandje fit paillos, son pied gauche a balé. Le filet a répondu. À la 20e minute, l'arbitrage avait changé de phase. Quand les Lions indomptables jouaient le vrai football du côté colombien, ils étaient avantagés par l'arbitre central. Quand ils ont su cet avantage, ce n'était plus le football qui jouait au terrain, c'était le karaté accompagné du kickboxing. Cet avait été fort. À la 47e minute, l'arbitre central avait sifflé la fin de la mi-temps. Tous les jeux au vestiaire, entraîneur sélectionné, conseiller ses enfants, sans faire 5 minutes, ma Vivian s'est levé, il avait dit ceci. Salut mes amis, salut mes collègues, salut mes coéquipiers. Tout le pays nous regarde, tout le Cameroun est debout. Ce match que nous voyons devant nous, c'était ma descente, s'il s'agit de jouer. Et gagner ou après mourir, nous allons le faire. Ma Vivian avait dit, ma Vivian avait dit. Ils sont rentrés au terrain. À la 60e minute, un centre d'Indiefé. Ma Vivian, mon en suspension, avec Marie Gépès. Ils sont tombés par terre, ils s'est relevé le plus vite possible. Parce que mes amis, il était assoiffé de la victoire. À la 72e minute, il s'est écoulé comme un mur en parpaing mal conçu. Quand il est retombé, on croyait aux amusements. Quand Ivan Cordoba, le jeune colombien, l'a tourné, nous avons vu les miracles. Les yeux de ma Vivian regardaient l'enfer et non le Cameroun. Donc c'était vraiment la mort qui avait ouvert la porte de ma Vivian à Gélan.
donne un jubilé. Adieu, adieu. Au revoir, ma poule. Adieu, ma poule. Adieu, ma poule. Au revoir, ma poule. Adieu, ma poule. Adieu, ma poule. Monsieur Fongangjan, le roman vit bien foué. Adieu, ma poule. Honorable Simon Pierre, le roman vit bien foué. Adieu, ma poule. Monsieur Eladi Oumarou, le roman vit bien foué. Adieu, ma poule.